Bienvenue à cette deuxième partie de cette formation sur quatre étapes pour monter un business rentable sur Internet. Si tu as suivi la première partie, c'est que tu as pu donc accéder à la ressource que je t'ai laissée en bas qui parle de 100 idées de business en ligne. Je crois que tu as téléchargé ce e-book. Tu verras dedans 100 idées de business en ligne que tu peux exploiter et choisir simplement selon ta niche, selon ce qui te passionne. Alors, pour cette deuxième partie, comment créer une liste de contacts? Autrement dit, une fois que tu as défini le domaine dans lequel tu veux avancer, il suffit donc de commencer à élargir ton marché, te créer un marché, et ce marché sera constitué des contacts. De l'audience ou du trafic. Alors, pour créer une liste de contacts, tu as plusieurs possibilités. Tu peux juste utiliser un Google Form. Google Form, il suffit d'aller dans ta boîte Gmail et tu cliques sur Drive. À partir de cet instant, tu trouveras plusieurs manières, plusieurs templates de Google Form que tu pourras exploiter en posant peut-être des questions juste pour faire une étude du marché, genre des questions qui pourront donc attirer un peu. Tu pourras comprendre donc qu'est-ce que le marché veut. Et l'objectif, c'est de prendre en fait l'adresse email des gens. Pourquoi prendre l'adresse email de tes contacts? Simplement, une fois que l'adresse est prise, tu pourras donc leur envoyer des messages email quand tu aurais préparé une offre. Lorsque tu as une offre, il suffit simplement d'envoyer ça à ces adresses que tu as pu prendre. Et pour le faire, donc, tu as besoin de ce que j'appelle tunnel de vente. Le tunnel de vente, c'est comme une page, ou c'est comme un site web ou une page de capture qui te permet juste de prendre les adresses email. Et pour le faire, donc, il suffira d'utiliser un logiciel de marketing. Tu peux utiliser ClickFunnels. C'est un logiciel qui te permet de créer une page de capture pour pouvoir prendre les emails. Tu peux aussi utiliser le logiciel System.io que j'utilise d'ailleurs, que je te recommande, que je te laisserai dans la ressource attachée à ce module. System.io te permet, comme ClickFunnels, de créer une page de capture qui sera composée peut-être d'un don de e-book gratuit sur un domaine qui pourrait attirer ton client ou un domaine qui pourrait attirer ton audience. Bref, je vais te laisser dans la ressource de ce module aussi un exemple de tunnel de vente que tu pourras créer pour capturer l'adresse email des gens. Alors, je voudrais dire à cet instant pourquoi tu dois avoir l'adresse email des gens. C'est simple. C'est pour te permettre de créer une base de données client. Et chaque fois que tu auras une offre à promouvoir dans un programme d'affiliation, ou chaque fois que tu auras quelque chose à vendre, il suffit juste d'aller dans ta base de données et leur envoyer des mails qui leur notifieront cette offre à travers un auto-répondeur. Et pour le faire, moi, j'utilise System.io, ce qui me permet d'avoir une base de données élargie et qui pourra donc m'aider à envoyer à chaque fois que j'ai une nouvelle offre ou à chaque fois que j'ai une campagne publicitaire, à chaque fois que je veux vendre quelque chose, je n'ai pas besoin de courir après eux. J'ai déjà leur base de données. Il me suffit juste de programmer, grâce à mon logiciel System.io, un mail qui va directement chez ces milliers de personnes avec son auto-répondeur qui est vraiment puissant. Alors, deuxième étape, après que tu aies défini ta niche, c'est de maintenant créer ta base de données client. Et pour créer ta base de données client, il te suffira juste d'utiliser System.io pour créer un tunnel de vente, une page de capture que tu pourras donc balancer
sur tes réseaux sociaux, Facebook, WhatsApp, Twitter, Instagram, Telegram, Skype ou bien par ton adresse Gmail à tous ceux qui sont déjà dans tes contacts. À partir donc de cet instant, tu t'es créé ce qu'on appelle une base de données client que tu pourras vraiment exploiter quand tu auras une offre. L'importance d'avoir une base de données client, tu le verras beaucoup plus loin dans la suite de ce module. Alors, si tu as bien suivi ce module, n'oublie pas d'aller dans la ressource en bas de ce module. Tu pourrais accéder à ce que j'appelle un exemplaire de tunnel de vente que tu pourras explorer, voir à quoi ça ressemble. Tu pourras voir à quoi ça ressemble et aussi tu vas devoir cliquer dans cette ressource pour accéder au système.io que je te demande d'ailleurs de prendre. Tu vas t'inscrire et tu vas explorer donc pour voir les différentes fonctionnalités que système.io te donne ou bien t'offre en tant que businessman, en tant qu'entrepreneur web. Merci, je te donne rendez-vous pour le prochain module.